dans une épisode de vidéo un peu en vlog puisque j'ai décidé de vous emmener avec moi toute une journée et de vous montrer une journée type à quoi ça ressemble. Ça donne bien puisqu'en fin de semaine je suis seule chez moi puisque ma mère est partie au camping, donc je veux la maison pour moi toute seule. Et qu'est-ce que je fais? Je travaille. Mes journées ressemblent pas mal tout à ça. Donc là, il est 7h10, il faut que j'aille me préparer. Mon bus passe à 7h59 et je vais partir d'ici vers comme 7h45 à peu près pour être sûre d'être chill avec l'heure et de manquer mon bus. Parce que de chez moi, il faut que je prenne 3 autobus à cause de la construction qu'il y a partout. Donc, je vais faire ça. Je vais aller au Starbucks. C'est ma dose de courage avant de commencer le samedi matin. Ça, je vais travailler. Ça, je vais m'emmener ici, je vais me faire la soupe, je vais faire mon lunch, puis je vais aller me coucher. Ça, c'est mes journées en ce moment. Donc, si ça vous intéresse de voir comment ça se passe, ben, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Le matin, moi, c'est vraiment pas très compliqué. J'adore toujours me maquiller, mais je me maquille plus. La raison étant, on porte un masque, puis j'ai l'impression que ça enlève tout mon maquillage, fait que je perds pas le temps avec ça. Je fais ça vite, rapide, je mets aucun make-up. En même temps, ça fait du bien à ma peau. Donc, je vais me brosser les dents, of course, parce que, wesh, si vous lavez pas les dents le matin, je veux dire, c'est important. Ensuite, je vais laver mon visage. J'aime bien utiliser le Spectro quand je fais beaucoup d'acné, c'est-à-dire en ce moment, dans la bonne période du mois. Sinon, il y a toujours la mousse nettoyante de Avène qui est géniale. Moi, j'aime ça le matin, là, une mousse. Je trouve que ça lave bien et ça réveille mon visage. Sinon, en arrière de la caméra sur laquelle j'ai déposé le téléphone, j'ai celui de L'Oréal qui est comme un gel un peu plus. Donc, c'est mes 3 nettoyants que j'utilise. Le matin, je vais y aller avec le Spectro. Et je complète toujours cela avec une petite crème hydratante, c'est très important, hein? Vous le savez, on ne répète jamais assez. Donc j'utilise la Tolerian Ultra Crème de La Roche-Posay. Alors voilà ma petite routine du matin. On va faire ça, puis ensuite je vais aller m'habiller. Je mets du pomme à lèvres. Puis, l'étape assez importante, je trouve, quand on porte des lunettes, ça va être de les laver. Parce qu'elles sont toutes en sale, peu importe ce que je fais. Puis, si je veux bien voir, c'est important que je les lave. Fait que tous les matins, je fais ça. Et voilà, je vois déjà plus clair, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, on peut aller choisir les vêtements pour aujourd'hui.
Donc, il fait pas très beau dehors. Quand je travaille, j'ai l'habitude quand même confortable. Quand même. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais mettre un petit legging noir très simple. Le cou, le haut. J'ai tout le temps chaud là, fait que pour ça je porte tout le temps pas mal des camisoles. Je pense que je vais aller avec celle-là, qui est comme un peu en satin qui est dynamite. Fait que ça, avec ça, je vais être confortable. Fait qu'on a notre fit. Oh, il fait noir! Donc un coup, tout habillé, j'ai une lunette. Un petit collier qui vient aussi du Urban. Puis je me suis fait une toque. Là, je vais aller porter mon linge sale. Dans le panier à linge. Je vais ouvrir le store. Comme ça, vous allez me voir. Je le dépose là. Donc, dans le fond, quand que je suis toute seule chez nous, j'aime vraiment pas ça dormir dans le sol. J'aime pas ça être dans le sol du coup, quand je suis toute seule. Fait que je suis toute en haut, puis je dors dans le lit à ma mère. Puis je vais le faire. Puis après ça, ben, je vais être ready to go. Ah non, il me reste mon lunch à faire. Mais ce sera pas très compliqué. Je pense que je vais le faire genre un sandwich beurre de pin avec une banane. Rien de compliqué. C'est parfait. Dans le temps, je vais faire mon lunch. C'est-à-dire une banane. Ma pile. Et du pain. Fait que je viens beurrer mes deux toasts. Puis je coupe la banane rendue à job sur mon dîner. Je mets ça dedans et c'est parfait. Je mets les deux ensemble dans un plat Tupperware. Et voilà. Puis hier, j'ai mangé du Wendy's juste pour souper parce que quand j'arrive tard, je mets quand même tard quoi. Fait que je vais me prendre mon petit reste de frites. Et puis, je vais me remplir une bouteille d'eau.
Puis ensuite, on s'en va. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Je vais prendre un refresher fraise à taille avec la limonade. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes entre le ciel bleu de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on est presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. J'aimerais les barbouillés. Je suis en train d'essayer ça. Je pense que je vais me l'acheter. Il est 20$ 30%. Puis en plus j'ai un 20% de rabais. Fait. Ça vaut la peine. Il faut qui? Wow. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. La maison. Oh my god. Il est 6h15. Je viens d'arriver chez moi. C'est pas bien, on a closé quand même vite. On est sorti du magasin à 5h20. Je suis contente. Fait que. Je vais me faire à souper. Je vais prendre ma douche. Je vais chiller un peu sur mon ordi. Puis ma journée va être terminée parce que demain, je travaille aussi. Fait que moi, je vais vous laisser ici. Ça, c'est vraiment une journée type là, pour moi. Oui, mes journées sont vraiment pas très excitantes, mais quand je travaille, ça ressemble tout le temps pas mal à ça. Sinon, quand je suis à la maison, je prends ça vraiment très relax parce que je travaille tout le temps. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais vous déposer un instant. Alors, comme je disais, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je sais pas si je vais avoir bien des clips. J'ai essayé de filmer un peu à ma job, mais tu sais, je veux pas non plus filmer tout le monde, tous les employés. Fait que c'est pour ça que j'ai filmé vraiment genre un petit peu. C'est-à-dire à mes pauses puis à mon dîner. Si une vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la liker. Peut-être que j'en ferai à d'autres moments. Faites vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais recommencer à prendre un beat de vidéo. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Puis sinon, ben, moi, je vais vous faire plein de bisous. Puis je vous dis ciao!